Bonjour, nous sommes le jeudi 1er décembre 2016. Très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc pour ce journal. Un journal vous le voyez que nous enregistrons aujourd'hui depuis Evian. Tout au long de cette édition, nous allons nous promener au cœur du Palais Lumière à l'occasion de sa dernière exposition de la caricature à l'affiche. Mais avant d'aller y faire un tour, je vous propose de regarder les titres que nous allons développer aujourd'hui. Réforme territoriale oblige, les fusions de communes sont légion. Annecy officialisera la sienne au 1er janvier. Autre exemple, dans le bassin nissien, les cinq communes du pays de filière n'en feront plus qu'une en début d'année. Son nom, Valglière. Sébastien Germain nous expliquera les enjeux de cette commune nouvelle. Et puis si nous sommes à Evian aujourd'hui, c'est pour célébrer la dernière exposition proposée par le Palais Lumière de la caricature à l'affiche. Olivia Boisson nous propose une petite visite à la fin de ce journal. Mais avant, nouvel épisode entre les Antilles et les Pro-Centre des Congrès à Annecy, le tribunal administratif de Grenoble vient de suspendre la déclaration d'utilité publique du projet. Elle avait été signée par le préfet de Haute-Savoie mi-septembre. Le tribunal administratif retient qu'en l'état actuel de l'instruction, il existe, je cite, un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués. Plusieurs recours avaient été déposés par différentes associations, seul celui de la Frapna. A été retenu. C'est une affaire à suivre donc. On parle économie maintenant avec Boss Équipement installé en Tarentaise. Véritable symbole à Moutier, l'entreprise équipe les cuisines de nombreux grands restaurants. Créée en 1978 par Jean-Louis Boss, la société connaît d'importantes difficultés depuis plusieurs mois. Elle a même été placée en redressement judiciaire. Une centaine d'emplois est en danger. Aujourd'hui, dirigeants et salariés font tout pour sortir la tête de l'eau. C'est un reportage signé Olivia Boisson. Fin 2015, l'entreprise Boss Équipement levait des fonds d'environ 5 millions d'euros. Placés aujourd'hui en redressement judiciaire, les dirigeants se veulent discrets sur les raisons d'une telle situation. Toute l'équipe est mobilisée pour redresser cette entreprise. On a la chance d'avoir des clients extraordinaires qui nous suivent et nous accompagnent dans cette dynamique. Euh, nous avons aussi un administrateur judiciaire euh, qui nous suit quotidiennement et qui nous aide dans les, toutes les démarches à mettre en place et à pouvoir redresser cette entreprise au plus rapidement. L'entreprise exerce deux activités, la vente de grandes cuisines pour les professionnels et un aspect négoce englobant les arts de la table et les produits d'hygiène. C'est ici que les particuliers et les professionnels du département viennent s'approvisionner. Vous savez qu'on est à l'aube de l'ouverture des saisons, donc vous y pouvez imaginer, tous les hôteliers sont en effervescence pour qu'on termine leur cuisine, ils font leur mise en place de matériel, donc notre carnet de commandes est bon, le commerce est bon, et nous faisons tout pour pouvoir livrer en temps et en heure nos clients, et puis nous répondons toujours présents à toute demande. Plus de 170 employés travaillent pour l'entreprise, dont la maison mère se trouve à Moutier. D'autres succursales se situent à Cannes, Lyon, Valence ou encore Paris, où que ce soit. Chacun reste mobilisé pour sauver l'entreprise. Les collaborateurs sont inquiets par rapport à cette procédure qui est en cours, mais restent tous très mobilisés pour sauver leur entreprise. Il y a quelque chose de magique dans cette entreprise. C'est cette montée en puissance des employés au moment où on a besoin de toutes les forces possibles, de toutes les forces vives pour pouvoir ressortir de, cette, de ce mauvais pas. Prochain rendez-vous pour les dirigeants le 19 décembre, ils devront prouver au juge du tribunal de commerce la viabilité de leur entreprise, née il y a 38 ans. Nous sommes toujours à Évian, devant le Palais Lumière qui accueille sa dernière exposition de la caricature à l'affiche. Avant d'aller y faire un petit tour. Je vous le disais dans les titres. Le 1er janvier 2017 marquera la naissance du Grand Annecy Agglomération. La nouvelle communauté d'agglomération regroupera près de 200 000 habitants et 34 communes. Parmi elles, Val une commune nouvelle, née de la fusion de cinq communes du pays de Filière. Sébastien Germain a rencontré les maires de Toranglière d'Aviernoz, respectivement, la plus grande et la plus petite ville du futur ensemble. On regarde son reportage. Encore quelques semaines de stress et tout sera terminé. Dans un mois, la commune nouvelle de Valglières sera effective. Et pour le maire de Thoranglières, plus grande commune de la nouvelle entité, l'heure est au dernier détail. Il y a toujours des choses, évidemment, on a, auxquelles on n'a pas pensé. On a mis en place des commissions thématiques. Donc on essaye de, de couvrir toutes les questions euh, afin d'être prêts au 1er janvier 2017, puisque c'est l'objectif. C'est beaucoup de travail, de multiples réunions, et puis aussi euh, bah, des nuits qui sont de plus en plus courtes. val ce sont donc cinq communes rurales, Torrent-Glières, Évire, Les Olières, Saint-Martin-Bellevue et Aviernoz. Le 1er janvier 2017, ce nouvel ensemble intégrera Grand-Annecy-Agglomération et deviendra de fait la deuxième commune la plus peuplée de l'agglomération annecienne, avec ses 935 habitants. En termes de développement économique, on se rend compte qu'on a, on a fait le bon choix en allant dans, cette, dans ce grand Annecy qui sera quand même beaucoup plus puissant, beaucoup plus riche. Et nous, notre commune nouvelle, ça va nous permettre de mieux fonctionner, de chercher l'efficacité et à moindre coût. Claude Jacob est quant à lui un maire heureux. Sa commune d'Avernose, peuplée de seulement 800 habitants, est la grande bénéficiaire de cette mutualisation. C'est vrai que c'est un moment historique, c'est indispensable. Bon, il faut savoir que les grosses fusionnent. Euh, donc les petites, euh, on a beaucoup plus intérêt de fusionner aussi. Hein, je veux dire, nous, euh, notre capacité d'autofinancement diminue d'année en année. L'an dernier, lors du référendum, plus de 60% de la population d'Avernose a dit oui à l'adhésion à la commune nouvelle, malgré le risque d'une perte d'identité. Surtout nos anciens qui se sont posé la question que notre commune allait disparaître on les a un peu rassurés parce que bon non, non, va toujours exister en tant que tel mais bon le, le, les avantages je pense qui ont prévalu par rapport aux inconvénients. autre élément non négligeable avec cette réforme Valglière sera même la plus grande commune du Grand-Si en termes de superficie. Ça y est, nous voici à l'intérieur du Palais Lumière, un espace de 4000 mètres carrés qui regroupe un centre des congrès, une médiathèque et un espace d'exposition, une stratégie touristique porteuse pour la ville. À quelques dizaines de kilomètres de là, dans la vallée de l'Arve, la communauté de communes Cluz-Arveux-Montagne entend elle aussi développer son offre touristique. Un schéma de développement est d'ailleurs à l'étude, un plan de près de 15 millions d'euros qui mise sur la valorisation du patrimoine et la modernisation des domaines skiables. Emmanuel Jaude nous en dit plus et on se retrouve à l'intérieur de l'expo. Montsaxonnais, Le Reposoir, Nancy-sur-Cluse et Saint-Sigismond sont quatre petites communes de la vallée de l'Arve. À l'instar des stations voisines, le tourisme y est principalement axé sur les sports d'hiver. Pourtant, aujourd'hui, avec la raréfaction de la neige en moyenne montagne, ces villages doivent trouver des solutions pour pérenniser leur offre d'activités. Un constat bien compris par l'intercommunalité qui a donc réalisé un audit sur les possibles mesures à adopter. Pour qu'on puisse, en effet, pouvoir euh, peut-être donner un nouveau souffle économique à vos collectivités, il est nécessaire d'accepter, un, de ne pas avoir uniquement un projecteur sur l'hiver, car en effet, aujourd'hui, ce qui nous asphyxie, c'est la difficulté euh, de, de cette notion aléatoire de la neige. C'est la difficulté de votre matériel qui est un matériel vieillissant et qu'on ne peut pas renouveler. Et que si on se contente de prendre ce chapitre-là, euh, on, on va aller systématiquement, dans tous les cas, à un échec, car l'investissement qui va être très lourd ne permettra pas d'avoir un retour d'investissement et on va davantage plomber le système. Car si le patrimoine de ces villages doit aujourd'hui être mis en avant, c'est bien l'offre de ski qui est à repenser. Modernisation des installations bien sûr, mais aussi regroupement des régies pour permettre une meilleure rentabilité ou en tout cas un retour à l'équilibre des comptes. Alors, oui, il y a une volonté, bien évidemment, des, des villages balcons, des, des quatre villages balcons, de, de, de maintenir l'activité du ski, de se diversifier, mais ça passera par, par le soutien et par l'appui de, de tout un territoire, et, et en priorité celui de la, de la communauté de communes. Et l'idée, effectivement, en tout cas, c'est la feuille de route, c'est d'essayer de trouver de, un montage avec une structure juridique commune qui puisse porter, d'exploitation, qui puisse porter l'ensemble des, des activités sur les, sur les villages balcons, pour, pour mutualiser pour optimiser, pour être plus, plus performant. Et pour cela, ce sont près de 15 millions d'euros qui devraient être investis par les différents échelons de collectivités. Un véritable projet de restructuration de l'offre touristique qui assurerait la pérennité des emplois et protégerait donc ces communes balcons pour ne pas se transformer en village dortoir. Ça y est, nous sommes au cœur de l'exposition au Palais Lumière de la caricature à l'affiche à découvrir jusqu'à début janvier. Le début du XXe siècle marque une véritable transition. À l'époque, Toulouse-Lautrec, Chéret, leurs œuvres couvrent les murs de Paris et puis les dessinateurs de presse et les caricaturistes prennent le relais. L'exposition à découvrir dans ces pièces rend hommage aux plus grands artistes de ce mouvement. Quasiment toutes les œuvres proviennent du Musée des arts décoratifs de Paris. Découvrons l'exposition et un caricaturiste bien particulier que vous trouvez juste derrière moi, Adrien Barère. C'est une visite proposée par Olivia Boisson. Le Palais Lumière abrite en ce moment quelques 300 œuvres. Des œuvres très originales, puisqu'il s'agit de caricatures et d'affiches. L'occasion pour le visiteur d'effectuer un véritable voyage à travers le temps, intimement lié à l'histoire de la presse. La caricature, c'est ça, c'est amplifier, c'est déformer et aussi partir loin de cette réalité euh, et s'amuser. D'ailleurs, on se rend compte avec l'exposition qu'on aimait s'amuser, on aimait rire. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Il y a beaucoup plus de contraintes et, et de censure. Cette exposition met à l'honneur Adrien Barrère, caricaturiste français de la belle époque. Contrairement à certains artistes, il n'a jamais subi la censure. Il caricaturait déjà ses professeurs de droit et de médecine. Grâce aux bouches à oreilles, ses planches ont rencontré un succès phénoménal. Plus de 420 000 planches ont été vendues en un quart de siècle. On reconnaît des chirurgiens, des obstétriciens, des gynécologues. Ils ont tous leur outil pour reconnaître leur spécialité ou leur petit patient, comme ce gynécologue avec ses enfants placés à côté de lui. La caricature ne se résume pas au dessin et les personnages du Tout Paris ont pu prendre forme grâce aux artistes. Adrien Barrère a décidé de faire retourner quelques personnalités de l'époque à leur état de fœtus. Et il a même revisité notre Marianne nationale. On n'a pas la Marianne habituelle de nos mairies très belle et le buste. On a tout le corps et on a une Marianne assez particulière. Heureusement qu'il y a l'indice du bonnet phrygien et du socle avec la notation RF. La caricature s'est installée sur toutes les sortes d'affiches, que ce soit de propagande ou publicitaire. Si vous voulez découvrir toutes ces œuvres, l'exposition a lieu jusqu'au 8 janvier prochain. Un dernier mot avant de se quitter. Nous sommes le 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le sida. En Savoie, Haute-Savoie et Isère, 2369 personnes étaient suivies pour une infection par le VIH dans les centres hospitaliers en 2015. Le nombre de nouvelles contaminations ne baisse pas, notamment lors de rapports homosexuels entre hommes. Petit rappel, pour tous, le préservatif est le moyen incontournable pour se protéger. Il est aussi vivement conseillé de se faire dépister régulièrement en France. Pour rappel, près de 150 000 personnes vivent avec le virus du sida. C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe. Merci à vous de votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Tout de suite, vous retrouvez Olivia Boisson dans Ambition. Le magazine économique nous parle haut de gamme aujourd'hui. Et puis dans trois quarts d'heure, ne manquez pas le dernier rendez-vous de vue d'ici. Pauline Courceau nous emmène au château de Faverges. Quant à nous, on se retrouve demain au chaud dans les studios pour le JT. Passez une très belle soirée.